Là par Éric Chardin. Et vous, les Jardins de Luxembourg, Éric Chardin, oui. En attendant, en laissant Cécile Olivier travailler avec André Pop, vous allez bien vous nous chanter une toute dernière chanson qui n'est pas encore en disque, je crois. Qui n'est pas sortie, non. Pas et qui coup. S'appelle « Sois gentille ». Allume-moi une mentole, mets la musique des Pink Floyd. Sois gentil, enlève ton blue jean, prends des sodas dans le living. Sois gentil, fais rentrer le soleil entre tes jambes, on voit le ciel. Ta-da. Ta-da. Viens, bouge doucement sur moi. Gentil, fais-le encore une fois, et je n'aimerai plus que toi. Vous savez que nous faisons une place importante aux jeunes dans Samedi et Compagnie. Et ces jeunes talents, nous allons généralement les chercher en dehors de Paris. Nous allons prendre un peu l'air de la province. Et cette semaine, ce mois-ci, c'est à Aigues-Mortes que nous allons retrouver Marie-Claude. Bonjour, nous sommes aujourd'hui, comme vous le voyez d'ailleurs, au pied des remparts de la cité médiévale d'Aigues-Mortes pour vous présenter, comme chaque mois bien sûr, des jeunes talents et aujourd'hui les jeunes talents de la région du sud de la France. Et pour le premier groupe, Jean-Luc Parodi. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Parodi, d'abord, nous le connaissons. Ensuite, il connaît parfaitement ce groupe qui s'appelle... Oui. Ce groupe s'appelle LF Azema et c'est un orchestre de danse. En fait, vous les parrainez aujourd'hui ? Un petit peu, oui. Ils vont vous interpréter un morceau des Chicago qui s'appelle « To be free ». Eh bien, nous les écoutons. Thank you.
c'est déjà demain. Laissez-moi m'en aller, sois gentille.